mon numéro. C'est quoi que j'ai entendu là? Je sais même pas si dans, si dans le micro on va l'entendre. Bon, on va s'éloigner un petit peu. Et on recommence. J'ai un peu lâché le petit. On recommence, rien que pour vous cette intro. Jour, non c'est à moi, il s'est encore planté. Jour numéro 3. Mouvement numéro 3. Il s'agit de... d'explosion, de la roulade. Donc on a déjà fait une vidéo, comment faire la roulade en moins de 5 minutes. On vous met le lien ici, là-haut, vous irez le voir, comme ça vous saurez exactement comment on fait. Et en fait, pour rendre ça un peu plus intéressant, parce que là vous allez d'abord bosser la roue, puis le macaco, et maintenant vous allez faire la roulade. Et bien on va chercher des contextes, un maximum de contextes différents pour bosser les roulades. Tout ce que vous avez à penser, c'est à rester en boule. C'est parti petit chou, check. On y va. Première roulade pour Bruce, tranquille, hop, il plonge au-dessus de la petite marche qu'il y a là. En robot. Ouais, petite roulade. Et très bien, très bien. Comme à la piscine. Je peux essayer. Vas-y, avec ou sans élan? Un peu d'élan, tu veux? Ça paraît pas, hein. Ça fait un peu flipper, hein. Ah, ça l'a fait un peu flipper. Il s'attendait pas à ça, le petit chou. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait flipper, hein. Ça paraît pas, hein, c'est pas grand-chose. Là, on vous montre plusieurs façons de bosser des roulades, un peu plus difficiles les unes que les autres. À vous d'essayer. Il y en a plein d'obstacles. Un mode saut de chat, il pose les mains avant. Oui, il trouve le moyen de s'assurer comme il veut. Au bout d'un moment, il finira par le passer. Je m'inquiète absolument pas. Tentez plein de roulades différentes. Ce sera un bon moyen de bosser cette roulade pour la faire n'importe où. Oui, bien, il a réussi. Il a fallu 4 essais. Bravo, petit chou. Allez, prêt? Yes. Nouvelle roulade. Et si on faisait une roulade mode saut de fond? Ouais. Merci. Yes. Tiens, t'es prêt, je te lance la caméra. Oh, attention, nouvelle roulade, saut de fond. Yes. Vas-y, à moi, je risque de me planter. Ah non, mais tu veux essayer ça? Ouais. Wow. Ok. Accroche-toi bien, tu vas sauter en saut de bras, toi. Hein. Oui, bien. Nickel. Bravo, petit chou. C'est sûr, je pensais pas que j'y arrivais aussi facilement. Oui. Donc, vous l'avez compris, pour cette roulade-là, il s'agit... Eh, bravo, hein, parce que là, je crois qu'il ne s'attendait pas du tout à le réussir. Non. Quand même, faut le féliciter. Ça mérite un max de pouces bleus, commentaire sur votre avis sur ce petit saut. Ensuite, là, c'était le but pour vous de faire des sauts de fond, c'est de prendre une hauteur et d'atterrir en faisant une roulade, ce qui n'est pas simple au début, mais on ne choisit pas des hauteurs très hautes. On va montrer une autre hauteur qui peut être bien pour bosser le... Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Le saut de fond. Vous l'avez compris, l'idée du saut de fond, c'est d'avoir une hauteur pour bosser vos roulades. Une tape, c'est très bien. Vous sautez, vous atterrissez, vous faites une roulade. À moi, cette fois j'ai plus loin. Si tu veux. Tchou, c'est à Bruce qui veut aussi essayer cette petite roulade. Vas-y, montre-nous ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu voulais faire? Oh! Aïe! Alors ça aurait pu être une bonne idée, mais il a fait exactement ce qu'il faut pas faire. Il est pas resté en boule, il s'est écroulé sur le dos. Pff. Non, relève-toi. Putain, il se laisse faire en plus. Ok. Ok, je recommence. Il recommence cette petite. C'est pas facile à faire, hein. Attention, la roulade, se jeter en avant comme ça, c'est le niveau au-dessus. C'est partir d'une hauteur pour descendre en roulade, c'est vraiment difficile. Hein. Non, là, il est encore. Tu restes pas assez en boule. En fait, tu vas pas assez loin. Bruce, faut aller un petit peu plus loin pour être sûr que ton corps puisse rester en boule. Quand vous faites ça, l'important quand vous faites une roulade, c'est que votre dos n'atterrisse jamais à plat sur le sol. Il doit rester en boule jusqu'à ce que vous puissiez revenir debout, chose qu'il ne fait pas. Il doit donc partir un peu plus loin pour être sûr que son corps reste en boule. Oui, vas-y. La différence, c'est que je vais plus loin pour que mon corps reste en boule à la réception et que je puisse me relever. D'accord? Faut vraiment pas vous laisser avoir par votre peur qui vous dit « Je veux tomber pas loin du banc !» Non, ce sera pas bon. Et là, ce sera encore une autre forme de roulade. Et vas-y. En vrai, je pense que ça va être la vidéo la plus longue de celle qu'on va faire de la série. Hein. C'est possible, juste sur la roulade. Il y a tellement de choix possibles. Vas-y, fais la roulade le plus loin possible.
Oui, oui, c'est ça. T'as vu, c'est plus facile. Eh, hey, tu l'as senti là? Ouais. Nickel. Allez, voilà. Nouvelle progression. Et les mains, les bras, tout a souffert là. Bravo, nouvelle progression pour Bruce là, il vient de réussir à faire la roulade en plongée qui n'est pas facile psychologiquement. C'est encore une petite progression. Nouvelle roulade que je viens de voir juste derrière, vous avez vu mes yeux qui sont partis. Regarde au-dessus de la plante là. Allez, vas-y. T'es pas passé à côté là, un petit peu? Si, hein, je crois bien. Bon, je crois que là, il a pris assez d'élan. Qu'est-ce que vous en pensez les gens? C'est bon? C'est Bruce. Bruce, il kiffe prendre de l'élan quand il court. Vas-y, t'as assez d'élan là, je pense. Fonce! Oui, très bien, elle était très belle. Elle était très très belle. Oh, bravo! Nouvelle idée un peu folle, nous avons ici des gens qui ont déposé plein de sapins. Il s'agit de sauter par-dessus. J'ai envie d'en enlever, mais Bruce, il dit non, c'est bon, ça va. Donc, les abonnés, je vais mourir pour vous. Il dit, les abonnés, je vais mourir pour vous. Ouais, oh putain, ça l'a piqué. Aïe. Ouais, quoi, ça pique. Je pensais que tu voulais faire une roulade au-dessus. Non, mais en fait, c'est trop loin. Et bah, pourquoi t'enlèves pas les sapins? C'est bon, j'ai senti. Ça pique de partout, forcément. Bon, je m'attendais pas vraiment à ça, en fait, avant qu'il le fasse. C'est pour ça qu'il a dit, les abonnés, je vais mourir pour vous. Il est mort pour vous. Un max de pouces bleus pour se jeter dans les sapins. Ça marche? Regarde. Bon. C'est planté dedans. On espère que cette petite vidéo vous a plu. Entraînez-vous bien, amusez-vous bien, c'est le plus important. Kiffez ce que vous faites. Abonnez-vous. Je vais poser un abonnement. Est-ce que je vais réussir à placer un abonnement qui sort de ton oreille là, hein? Hop, avec la petite cloche pour les notifications. Et surtout les commentaires, le max de commentaires en dessous sur la roulade. Est-ce que ça vous a plu, ces petits défis de faire un max de roulade n'importe où? On pourra en refaire d'autres, hein, ça peut être fun. Moi, j'ai bien aimé cette petite vidéo, la troisième de la série. Attends, il y a une épine ici. À bientôt, tout le monde.